Un matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un mot en forme de proposition. Voulez-vous faire de notre rue un jardin ? Cette idée, simple et séduisante, s'est rapidement transformée en envie, puis en projet à réaliser. Il y en a des racines, là, hein. Faut pas trop les j'ai mis du terreau et tout pour essayer d'améliorer la terre, mais elle est très très pauvre, il y a eu tellement de voitures. On s'est pris au jeu et on a commencé à faire quelque chose devant l'école, mais on voulait le prolonger. Bon, là on n'a pas eu trop le temps, mais on a fait ça il y a un mois, donc c'est déjà sorti. En fait, je me rends compte que des gens se garent là, alors qu'avant c'était pas le cas. Je me suis dit, ça sert à rien que j'aille retourner la terre, si c'est pour que les voitures se mettent. Une sur ton appareil. J'ai mis autour des fleurs de prairie. Voilà, donc moi c'est Hélène du 126. Madame Tomate, c'est Claire du 126, mais en train de préparer le coffrage pour les tomates du 126. La technique de la lasagne permet de cultiver de tout sur un sol ingrat, sur de la pierre ou du béton, en alternant des couches de résidus verts et bruns déposées sur un carton et arrosées copieusement. Recouverte de terre puis de paille, elle sera un sol fertile pour toutes vos plantations. Depuis, notre rue a changé. Les relations entre voisins aussi. C'est une belle aventure que celle de la nature humaine. Ton prénom, c'est comment? François.